Aux côtés de Brill Embolo, Brill, félicitations, c'est un but ô combien important. C'était important de gagner pour rentrer dans la compétition, surtout que le groupe est très relevé. Après, il y aura le Brésil, il y aura la Serbie. C'était donc important de gagner. C'était un match particulier aussi pour vous. On le sait, vous êtes né à Yaoundé, vous avez la double nationalité. Qu'est-ce que vous avez ressenti au niveau de votre but et qu'est-ce que vous ressentez maintenant ? Ah, moi, beaucoup de fierté, de soulagement, parce que c'est un match de Coupe du Monde avant tout. Mais après, on a manqué une très bonne... premier mi-temps, les premiers 30-35 minutes, on était bien dans le jeu. Après, on a un peu fait 2-3-0 bêtes. Après, chapeau à l'équipe, ce qu'on a parlé à la mi-temps, surtout avec les attaquants et les ailiers, d'attaquer cet espace. Parce qu'en premier mi-temps, il y a eu 2-3 ballons qui sont quand même arrivés au 16, où il manquait exactement cette présence, ce qu'on a changé en deuxième mi-temps. Après, comme je l'avais dit, c'était un match spécial pour moi et pour ma famille. Et extrêmement heureux de pouvoir finir le match comme ça. Il va y avoir des excuses à faire d'un côté ou de l'autre après cette rencontre, non ? Non, je trouve que c'est le sport. On a mis ça de côté. Comme j'ai dit, je suis très heureux comment ça s'est passé. Le plus important, c'était la victoire, c'est toujours ça. Le scénario s'est bien passé pour moi. À nous de profiter, mais on sait qu'on a, rien fait. Le tournoi continue et il faut vite poser ses émotions de côté et continuer. Brill, on le disait, le groupe est relevé. Quel est l'objectif final pour la Suisse dans cette compétition après avoir fait un bel Euro ? Non, on continue le prochain match. On va regarder ce match aujourd'hui du Brésil. On sait que c'est une équipe très très forte avec beaucoup de qualité. On va se préparer. On va, j'espère, reprendre présent au prochain match. Après, on va continuer pour aller loin. Il faut regarder équipe par équipe et c'est ça notre but.